Allô, ici Marinelle Marino de Marginale et Heureuse. Aujourd'hui, je vous parle d'éducation alternative, d'éducation libre, d'apprentissage en famille avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Mélissa Lépine, qui est travailleur autonome, blogueuse sur la plateforme Les Bees, anciennement de Bees Journey, et bien entendu, maman faisant l'éducation à domicile. Mélissa, bonjour! Alors, bonjour Marinelle. Pour les gens qui ne te connaissent pas, comment te présenterais-tu dans tes propres mots? En fait, c'est ça. Je suis une maman de 4 enfants. On est une famille qui avons quitté la ville pour un projet qui était de Bees, qui est devenu les Bees, en effet. Un projet qui vise à démontrer la possibilité de plus d'autonomie familiale, mais d'une façon accessible à tous. On fait l'école à la maison depuis 12 ans. On est deux travailleurs autonomes, donc on travaille de la maison également. On se partage les tâches avec les enfants, on fait des horaires moitié-moitié au travail. Puis, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer l'éducation à domicile? Moi, quand j'ai commencé, on dirait que ça fait une éternité, j'avais même pas Internet à la maison. Donc, je connaissais une famille qui faisait l'école à la maison et c'est tout. Je savais pas c'était quoi les démarches. Je savais pas qu'il fallait que j'inscrive mon enfant ou pas. Je ne savais pas où je trouvais des documents pour enseigner à mon enfant. On ne connaissait pas la progression des apprentissages comme on la connaît aujourd'hui. Donc, on n'avait pratiquement aucun outil. Donc, j'ai commencé avec les moyens du bord, en apprenant vraiment sur le tas. J'ai fini par découvrir la quête qui fonctionnait avec un forum très, très dynamique à l'époque parce que c'était avant Facebook, on parle de 2004. Donc, on a vraiment appris les unes à travers les autres avec des mamans expérimentées, des nouvelles. On fonctionnait beaucoup aussi avec des programmes américains parce qu'il n'y avait pas de documentation québécoise ou très peu francophone, je dirais, à part le CNED. Donc, ce que j'aurais aimé avoir probablement, c'est un réseau social comme on a aujourd'hui qui nous permet d'échanger, de partager nos bons coups, nos mauvais coups, la capacité de visualiser aussi qu'est-ce que les autres font à travers leur quotidien puis leur témoignage. Ah, c'est vrai que l'apparition d'Internet et de Facebook et tout, je pense que ça a changé beaucoup, beaucoup de choses pour les familles. Moi, j'ai comme commencé mon expérience avec ça, donc j'ai de la misère à m'imaginer comment ça pouvait être avant, mais en même temps, tu sais, j'imagine que vous vous arrangez tout simplement pour faire ça de façon autrement, peut-être de se voir plus souvent entre familles aussi. Mais en fait, là, l'Internet, si je peux me permettre, je te dirais que ça a démocratisé la transmission des savoirs. Puis ça se produit autant avec les formations en ligne qu'on va trouver au niveau collégial, universitaire, au niveau de l'enseignement privé post-secondaire, mais aussi au niveau de la petite enfance, du préscolaire, du primaire, du secondaire. Donc, de permettre à la fois à des gens qui ont des restrictions de pouvoir avoir une scolarité, que ce soit une restriction géographique, physique, peu importe, mais également permettre à des familles comme nous qui avons décidé d'avoir une aventure éducative qui est plus hors norme, ben de pouvoir le faire avec tous les moyens possibles sans être à la fois discriminée ou être marginalisée. C'est vraiment dans le thème. Super intéressant. Est-ce que en famille, vous suivez une pédagogie précise ou un mélange de certaines pédagogies? Je te dirais que nous, on adapte par enfant parce qu'on est 4 enfants plutôt différents. Le plus vieux, nous, il a 17 ans. Donc, en ce moment, il termine son secondaire à distance via une commission scolaire qui est la commission scolaire de la Riveraine qui offre la fin du secondaire à distance, mais de façon gratuite. C'est la seule au Québec. Donc, c'est extrêmement intéressant. Puis, tu peux aller faire tes examens dans un centre pour adultes qui est le plus près de chez toi. Donc, tu peux être en Abitibi, en Gaspésie ou en Estrie. Il n'y a pas de problème. Donc, ça permet aux jeunes de pouvoir poursuivre. Au niveau du primaire et du secondaire, on a suivi une progression classique. Moi, mon plus vieux, c'est quelqu'un de très cartésien, très scientifique, qui avait eu des problèmes de retard de langage. Donc, au niveau de la lecture, de la compréhension de lecture, de l'écriture, il y a eu des répercussions. Donc, l'éducation classique nous a permis à ce moment-là d'aller vraiment combler ces lacunes-là en travaillant l'étymologie, en travaillant la logique, l'origine des règles grammaticales parce qu'il y avait beaucoup besoin de comprendre. Donc, on y a été vraiment à fond dans l'éducation classique.
avec mes deux plus jeunes, ben mes non, c'est-à-dire les deux autres suivants, parce que le plus jeune a juste un an. On y va avec un mélange de classique et de Charlotte Mason principalement. On a une éducation qui est vraiment basée sur les arts et la littérature. On est des artistes, donc c'est sûr que ça se répercute. On a travaillé dans le milieu littéraire aussi. L'observation de la nature. On a des enfants qui ont des hypersensibilités, donc sensorielles. Donc avec nous, ça nous permet de leur inculquer des notions sans être trop abruptes dans notre approche, de les respecter dans ce qu'ils ont besoin de calme, de silence, de temps de réflexion, mais également de mobilité, le besoin de bouger, le besoin d'être impliqué, leur donner confiance dans leurs possibilités malgré les défis qui les entourent. Donc, on adapte la pédagogie en fonction des enfants, de leur personnalité, de leurs besoins, de leurs challenges aussi. Ah, c'est vraiment super, ça. Je comprends aussi que le fait que vous soyez deux pour faire ce projet-là donne peut-être un certain coup de pouce à pouvoir se dire que vous vous lancez dans des façons de faire beaucoup plus personnalisées à chacun des enfants. Donc, Oui, c'est. ça permet ça. Ça permet aussi de faire du un par un ou du groupe selon les besoins. Ça permet aussi d'y aller avec nous deux, ce qu'on aime le plus faire, mais nos forces, nos faiblesses. Puis aussi, des fois, on va maîtriser une matière, mais on n'a pas la façon de la communiquer idéalement par enfant. Donc, ça nous donne une deuxième dimension pour aller chercher l'enfant quand un n'y arrive pas. Des fois, si moi, j'y arrive pas, parfois, mon conjoint, lui, va y arriver parce qu'il y a ce que l'enfant va recevoir aussi comme message. C'est pas juste le contenu, mais il y a toute l'approche de communication qui va entrer en relation dans l'activité d'apprendre en famille aussi. Puis, à quoi ressemble une journée ou une semaine typique chez toi? Nous, on est des gens, c'est-à-dire, moi, j'ai besoin de routine dans ma vie, donc j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai eu un épuisement personnel, parental, professionnel, majeur. Donc, depuis ce temps-là, j'ai vraiment le besoin d'appliquer une routine pour m'en sortir parce qu'on se contre pas de blague, là, en travaillant tous les deux, en étant travailleur autonome avec la charge financière que ça implique, en ayant les quatre enfants. Nous, on a des animaux quand même en bonne quantité ici. On a les jardins, on a le blog. Puis c'est ça. Donc, c'est beaucoup d'heures. Donc, une routine quand même bien établie pour qu'à la fois les enfants savent qu'est-ce qui les attend, qu'il y ait plus d'autonomie. Donc, on a un horaire familial qui nous dit qu'on mange entre telle heure et telle heure, qu'on se lave entre telle heure et telle heure, puis qu'on a telle sorte d'activité. Donc, on a des moments où papa est disponible pour l'école, que maman l'est à d'autres, que les enfants ont des périodes libres et des périodes scolaires. Par la suite, on a un horaire scolaire. Donc, je dirais que mon garçon qui est en première année fait quatre périodes de 30 minutes le matin, trois périodes de 30 minutes l'après-midi. Ça peut sembler énorme, là, mais il y a des projets là-dedans. Il y a du coloriage, il y a plein de choses, il y a des films, etc. Ma fille qui est en préscolaire, ben, elle le suit dans ses activités avec des activités adaptées à elle parce qu'elle le demande, puis elle a ce besoin-là de se sentir grande. Donc, on la suit juste à travers ce qu'elle est capable de supporter. On a des horaires adaptables. On travaille en séquence scolaire. Donc, on travaille 3 semaines, puis on a une semaine de vacances par la suite. Donc, c'est toujours des séquences qui vont être entrecoupées. Donc, c'est un mois, mais 3 semaines d'école et une semaine de congé avec plus long de congé à Noël et l'été. On prend un mois à Noël, un mois l'été environ. Où est-ce que tu allais chercher tes informations lorsque tu as commencé dans l'aventure de l'éducation à domicile? Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont inspiré, des livres que tu as lus et qui sont des incontournables, par exemple? Au niveau de l'éducation classique, là, pour moi, l'incontournable, c'est évidemment Susan Wise Bauer, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle The Well-Trained Mind. Je crois pas que c'est traduit. Qui est aussi l'auteur d'un programme d'histoire qui était très, très utilisé quand j'ai commencé, très populaire, qui s'appelle The Story of the World, qui couvre l'histoire du monde de façon chronologique à partir de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un des piliers. Charlotte Mason, qui est plus qu'une pédagogie, hein, qui est une femme aussi derrière,
C'est vraiment appliqué à mettre sur papier à travers de beaucoup d'ouvrages, une bonne série de livres. Il y en a au moins six, si je me rappelle bien, mais qui traitent autant d'éducation au niveau scolaire, académique, que d'éducation, en fait, d'éduquer la personne. Donc, de développer des aptitudes, autant au niveau du quotidien que des aptitudes sociales. Comment amener nos enfants vers plus d'autonomie, puis comment les amener à se sentir bien à travers ce qu'ils vivent dans toutes les situations de la vie. Donc pour moi, c'est vraiment les deux piliers. Par la suite, ben, il y a les écrits de Maria Montessori qui sont toujours très, très inspirants de par l'importance qu'elle a su donner à des enfants dans un moment de l'histoire où les enfants étaient pratiquement des objets. Donc pour moi, c'est vraiment mes trois piliers. Puis maintenant, lorsque tu veux te renseigner sur l'éducation à domicile, quelles sont tes sources d'information? Je dirais que pour Charlotte Mason, là, il y a Ambleside Online qui est vraiment intéressant, qui va même fournir des curriculums gratuits avec des listes de lecture pour qu'on sache s'y retrouver. Il y a des programmes très, très intéressants qui sortent aussi en ce moment. Autant, tu sais, je te dirais qu'Instagram, pour moi, là, c'est vraiment une façon de découvrir des gens qui proposent des programmes. C'est souvent en anglais, par contre. Il y a la librairie des écoles en français qui propose des ouvrages, mais également des infolettres ou qui vont nous donner des façons de travailler. Mais ma plus grande ressource, honnêtement, c'est ce réseau-là de mamans, je dirais. Principalement des mamans, là, parce que les papas, on va s'entendre qu'ils sont plus dans l'arrière-scène. Au niveau de l'école à la maison. Mais ce réseau-là de maman qui a la générosité quand même d'essayer des choses et de nous les partager. Beaucoup mauvais coups, autant au niveau des blogs que des groupes Facebook. Pour moi, c'est cette richesse-là qui est vraiment la plus grande puis qui représente le mieux l'école de maison dans ce que ça implique à la fois de responsabilité, de liberté, mais également de diversité des savoirs. Est-ce que tu aimerais, et sinon c'est correct, mais est-ce que tu aimerais me parler de ton nouveau projet, celui qui va être plus officiellement lancé, j'imagine, dans quelques semaines? Ben, tu parles de la renardière. Oui. La renardière, là, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis longtemps. Nous, on est des artistes en art visuel et moi également textile. On a fait de l'illustration pour des maisons d'édition. Puis, au fil des 12 dernières années, on a traduit des documents qui étaient en anglais pour l'école maison, pour nos enfants. On les a réillustrés parce qu'on n'en pouvait plus des images qu'on trouvait un peu génériques. On en a créé, à n'en plus finir. Puis à un moment donné, on s'est dit peut-être que d'autres pourront en profiter. Puis c'est comme resté dans nos têtes. On a continué à en faire pour nos enfants. Puis là, notre projet de s'en venir en campagne a pris forme. Les choses se sont placées. Le petit dernier a un an, donc la routine est plus installée. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de proposer à la population d'école maison ou aux familles en général, parce qu'il y a des outils qui s'appliquent à la petite enfance, parce que principalement, on travaille pour les 3-6 ans pour l'instant. Donc, ce qu'on fait, c'est pas des livres pédagogiques, là, approuvés par le ministère. Ce qu'on veut travailler, c'est des outils d'apprentissage. On peut penser à des cartes géographiques thématiques, éventuellement, à des jeux éducatifs, par exemple des jeux des sept familles, des choses comme ça. On a la poutre du temps Montessori qu'on a revisité un peu à notre façon, des lignes du temps. Donc c'est vraiment des supports pour rendre l'apprentissage, pour que l'apprentissage fasse partie du quotidien, mais qu'il fasse partie du quotidien sans qu'on ait l'impression de se retrouver dans une salle de classe. Pour que l'apprentissage se fonde à la vie, puis que les enfants, ça leur crée un souvenir parce que pour nous, ce qu'on retient principalement, c'est ce qui nous crée des souvenirs. On se rappelle beaucoup plus des notions enseignées par un professeur qu'on a aimé que par un professeur qui nous a laissé indifférents. Donc c'est ça la Renardière. On commence doucement. On va sortir les produits un à un. On va sortir un magazine également qui est fait sur le principe des STEAM en anglais. Donc en anglais, STEAM pour Sciences, Technologies. Engineering, Arts, et il manque le dernier.
Mais en fait, c'est le principe d'éducation par projet, donc de voir un thème, mais sous plein de facettes, pour qu'on s'en rappelle justement, puis que ça aille chercher plusieurs parties du cerveau. Nous, ce qu'on va lancer, ça va, là, je te donne une primeur, là, parce qu'on n'a jamais dit Oh. non. Ça va s'appeler Mistral. OK. Donc, c'est un magazine pour les 3 à 6 ans. Mistral pour mathématiques. Ah, le M de STEAM, c'était mathématiques, voilà. Donc, mathématiques pour Mistral, là, je vais avoir un blanc, là, mais pour, en tout cas, technologie, science, technologie, réflexion, le R pour réflexion, le A pour art, L pour langue et littérature. Donc, on va proposer un thème qu'on va vraiment aller développer sous toutes ces facettes-là pour amener l'enfant à découvrir à travers ce qu'il touche le plus, pour qu'il se rappelle des choses, pour qu'il en découvre, pour que les parents puissent découvrir avec leurs enfants, que ce soit au niveau de l'école maison ou des familles là, qui vont dans le système conventionnel. Mais on veut juste proposer une occasion de plus aux parents de passer des beaux moments avec leurs enfants. Donc, c'est ce qui s'en vient pour l'automne. Ah, c'est super intéressant. Pour le magazine, je pense que j'avais vu mentionner qu'il y aurait un magazine, mais je ne savais pas quel genre. Donc, c'est vraiment super intéressant. Finalement, si les gens qui écoutent souhaitent te suivre dans tes différents projets en ligne, comment est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ben, en fait, on est lesbees.ca sur le blog qui a été remis en ligne dernièrement puis qui est encore Ben, en fait, je pense qu'un blog, c'est éternellement en rénovation, là. On ne peut pas finir de faire le tour. Mais en ce moment, le blog, il représente vraiment qui on a été parce que ça continue de faire partie de nous puis on continue à y mettre du contenu plus actuel. Donc, tout ce qui concerne les lancements de la Renardière vont être là, évidemment. On est la Renardière sur Facebook. On a les bises sur Facebook. On est sur Instagram sous le nom Le Labo des bises parce que notre vie, c'est vraiment un laboratoire. On teste des choses puis on vous en fait part. On est sur Pinterest avec, avec les bises également, puis la Renardière qui est en train de se construire. Pinterest qui est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment y mettre, pour la Renardière, on a été chercher des testeurs. Puis ces gens-là, on leur demande en fait de s'approprier nos outils pédagogiques, puis on leur dit pas comment s'en servir parce qu'on veut vraiment voir qu'est-ce qu'ils vont développer avec ça selon leur réalité familiale, professionnelle, là, selon les testeurs. Donc, on va être en mesure de vous proposer plein d'avenues d'utiliser nos outils puis de décliner tout ça. Donc, Pinterest va vraiment être un bel outil à ce niveau-là aussi. Super. Un gros merci, Mélissa, pour Ben. le partage. Je suis certaine que tout ça, ton parcours, va inspirer des familles parce que tu as beaucoup d'années d'expérience là-dedans. Je savais que tu avais un plus grand, mais je ne savais pas ça faisait combien de temps que vous faisiez ça en famille. Et waouh, c'est vraiment super de t'écouter parler de tout ça. Bien, je te remercie beaucoup de l'occasion. J'ai hâte d'écouter les témoignages des autres également. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à mettre la main sur le livre L'éducation à domicile au Québec, tout ce que tu dois savoir sur l'école à la maison, le homeschooling, les apprentissages en famille et autres alternatives au milieu scolaire. Puis on se dit à la prochaine.